Nous remercions le Seigneur pour ce dimanche, toujours, quand nous célébrons toujours la résurrection. La commémoration d'un génocide est toujours une chose plaisante. Mais nous, dans la foi, nous vivons dans ce que le monde pense est paradoxe, mais que nous appelons l'antinomie. Il y a un Dieu en trois personnes. Christ est Dieu et homme. Le royaume est ici et il vient. Nous commémorons les morts, les victimes innocentes, mais aussi nous remercions le Seigneur pour la vie. Et le don de la vie éternelle qui est promis à tous qui sont ouverts à la proposition. Nous voulons vivre. Pensez un peu. Qu'est-ce que nous voulons? Beaucoup de choses secondaires. Mais la chose principale est de vivre. Vivre pour toujours. C'est notre foi. C'est la victoire du Seigneur qu'il partage avec nous. Je suis très reconnaissant pour la fraternité, même la paternité. Son éminence cardinal Philippe Barbarin, qui, le premier jour, j'étais ici comme évêque, m'y a aidé, a ouvert les portes de son cœur de Lyon à nos besoins. Nous avons les séminaristes qui font les études ici. Ils sont très à l'aise. Nous avons Père André et la paroisse. J'ai demandé un fidèle, il y a des progrès à Lyon, à la paroisse. Il a dit, Père, nous avons une révolution avec Père André. Une révolution positive, pas comme cette rouge ou les autres. Beaucoup, beaucoup de grâce. Je voudrais remercier notre cœur. 70 personnes qui chantent ensemble de Paris et de Lyon. C'est la première fois qu'ils chantent ensemble, ici. C'est le début d'un pèlerinage que je suis sûr aura sa continuation. Mais nous recorderons toujours que la première fois était ici. Maintenant, pour la culmination de notre commémoration, nous chantons ensemble la prière pour les défunts, la Panachida. Tenons dans la mémoire, dans la prière, dans l'esprit, toutes les victimes innocentes de ce génocide. Et en même temps, la chère maman du cardinal Barbarin, Yvon, les obsèques desquelles seront demain matin à Paris. Благословен Бог назавжди нині і повсякчас і на віки віки. Thank you.
власти, війни, Ізер, душу, сопший Ребе Божий, новопреставлений ікон, і щоб проститися їм всякому прогрішенню добровільному і недобровільному. Сотворить